Oui, bonjour à vous. Merci. Oh, la connexion n'a pas l'air extraordinaire. Donc, je vais garder les yeux ouverts pour voir si tout se passe bien. Et j'espère que tout se passera bien. C'est passé convenablement, pas comme hier où nous avons été coupés. Et puis, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, profitons, parce que le principal est que si jamais la connexion s'arrête, eh bien, il suffit de continuer à respirer paisiblement, en conscience, dans le cœur. C'est un peu l'objectif de ces moments. C'est de les vivre ensemble et peu importe si la connexion Internet, je vais dire, s'échappe. Ce qui est le plus intéressant, c'est de rester connecté dans le cœur, c'est de rester connecté dans l'amour, dans la vie, dans la joie. Et merci. Merci à vous d'être là. Merci à vous pour vos likes, pour vos témoignages. Et bienvenue. Bienvenue dans ce moment paisible, dans ce moment doux, pour transformer. Transformer nos pensées, transformer notre vie, transformer ben, nos joies, nos envies, nos. Ah, c'est que nous avons envie de vivre, tout simplement. Mais donc, ben, si vous avez envie, si vous ressentez le plaisir d'offrir aux autres vos témoignages, d'offrir aux autres ben, vos ressentis, afin qu'eux aussi, ils puissent venir ben, très régulièrement le matin. C'est tellement plus gai, là. Et puis le faire soi-même le midi, le faire soi-même le soir, et puis, waouh, la vie est belle, quoi, tout simplement. Je nous invite à mettre toutes et tous les deux mains sur le cœur, bien paisiblement, à fermer les yeux si vous le souhaitez et à respirer lentement par le nez. À ressentir le fait que nous sommes là maintenant, tous ensemble, et que nous sommes tous des grands, grands arbres de paix dans une immense forêt d'arbres de paix. Que nous sommes tous unis dans le cœur par nos racines, par nos branches, par nos feuilles, par l'amour qui nous réunit. Et on inspire ce moment, on inspire ces joies. Et puis on souffle lentement. Merci. Puis encore une fois, on inspire. Doucement, paisiblement. Puis on souffle. On laisse entrer la joie, la paix, la douceur de vivre. On crée notre vie dans cet état d'équilibre psychophysiologique. Et on inspire, on construit sa vie. Oui! Merci. Et puis on souffle. Comme c'est bon d'être là, ici, avec vous. Doux, doux, paisible, rempli d'amour. Inspire. Puis on souffle doucement, paisiblement. Encore une fois, lentement. On souffle. Comme c'est bon de laisser entrer en soi tout cet amour, toute cette joie, toute cette sécurité qui est là, toujours là. Et quand nous le souhaitons, à n'importe quel moment de la journée, mais nous pouvons venir en pensée ou en réel, mettre les mains, mettre la colombe de paix
sur notre cœur, nous relier à tous ces enfants, tous ces jeunes, toutes ces personnes qui les accompagnent, et nous sentir forts, forts et puissants, au-delà de toute limite. Et on inspire. On ressent en soi cette grande force, cette grande puissance. Et puis on souffle. Et là, si vous aviez fermé les yeux, ben je vous invite à les ouvrir. À laisser ce sourire immense se poser sur notre visage. À ouvrir le nid de la colombe. Et puis à partager. À envoyer tout cet amour, toute cette joie, tout ce bonheur que nous avons dans notre cœur et à l'envoyer. Oui, oui, merci, je me nourris de la lumière, je me nourris de l'amour du soleil, je me nourris de l'amour de l'univers, je le reçois pleinement par mes racines, et par mes branches et par mes feuilles. J'accueille la merveille dans ma vie à chaque instant. Et puis à nouveau, je reprends. Merci pour vos messages de soutien. Merci. Puis j'accueille. Je reprends en moi cette grande force. Je la ressens au plus profond de moi. Je la chéris, je l'honore. Un tout grand merci à vous et pour ce merveilleux moment. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à partager, je vous invite à ressentir, je vous invite à télécharger le document qui se trouve juste ici en dessous, et bien pour pouvoir découvrir comment vous pouvez vous aussi pratiquer ces jeux et aller plus loin, encore et encore et encore, chaque jour. Magique journée à vous! Et à demain matin pour un autre moment absolument merveilleux.